Ceux qui viennent pour la première fois, que Dieu bénisse. Amen. Vous allez écouter la parole de Dieu. Amen. Et puis on aura l'occasion de prier pour vous, parce que la parole de Dieu produit à nous la foi. Comprenez? Nous sommes là, non seulement nous apprenons beaucoup de choses de la part de notre Dieu, mais il faut que Dieu aussi nous enseigne. Amen. Et Dieu aussi nous fortifie, Dieu aussi nous prépare, Dieu aussi nous fasse du bien au travers de sa parole. Je vais enseigner ce soir, cet après-midi, sur l'autorité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à organiser l'Église. Alors si le peuple de Dieu n'a aucune notion des choses spirituelles, elle peut être même en danger vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. 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 On dit amen. Amen. C'est comme une bouteille, et puis on écrit, l'eau qui est à l'intérieur est empoisonnée. Danger de mort, en même danger de mort. Ok? Toi, tu ne sais pas lire, n'est-ce pas? Tu ne sais pas lire, tu te dis, j'ai soif, je vais boire. Et puis tu bois, n'est-ce pas? Tu vas mourir ou pas? Mais pourquoi tu vas mourir? Puisque tu ne sais pas lire. Le danger là, tu t'es excusé pour dire, non, il ne sait pas lire, il s'est trompé. Non, il faut t'excuser. Le poison a dit, non, il ne sait pas lire. N'est-ce pas? Le poisson dira qu'il ne sait pas lire. Hein? Répondez-moi. Non. C'est comme ça. C'est comme ça aussi sur le plan spirituel. Tu ne connais pas. Ton ignorance peut te tuer. Et donc, c'est pour cela qu'il faut enseigner les choses. Et d'ailleurs, nous sommes dans un domaine sacré. Nous sommes dans le sacré. Et c'est pour cela que c'est vraiment important de savoir certaines choses. Dans la parole de Dieu, il y a un monsieur. Et pendant que l'arche de l'Éternel entra en Israël, il a voulu jouer avec le sacré. Il a touché, il n'était pas habilité à toucher l'arche de l'Éternel. Il a été frappé sur le champ, il est mort. Et nous sommes dans le domaine sacré. Et c'est pour cela qu'il y a des symboles, il y a des choses auxquelles, si vous touchez, vous touchez immédiatement Dieu. Alors, pour mieux, il faut qu'on vous enseigne. Donc, nous allons parler de l'autorité spirituelle. D'abord, quelle autorité c'est qui? D'abord, l'autorité. D'abord, dans l'autorité, il y a pouvoir. Donc, quand on dit autorité, c'est quelqu'un, s'il vous plaît, c'est quelqu'un qui a reçu un pouvoir d'exercer une fonction. Un pouvoir. Amen. Vous commandez. Une autorité, il reçoit une fonction pour commander. C'est-à-dire, il devient chef. Il reçoit le pouvoir et il commande. Et les gens sont sous ses ordres. Vous comprenez? Et puis, cette autorité-là, elle est là. Elle peut aussi déléguer, c'est-à-dire, léguer son pouvoir à des collaborateurs qui le représentent. C'est comme une ambassade, c'est-à-dire la France qui a une ambassade en Côte d'Ivoire. Un exemple. Donc l'ambassadeur de la France représente, n'est-ce pas, la République française en Côte d'Ivoire. Alors si vous avez affaire à l'ambassadeur, vous créez ce qu'on appelle l'incident diplomatique. On a bien compris. Amen. Alors l'autorité, sa fonction, c'est de faire appliquer la loi. Il doit tout faire pour que la loi soit appliquée. C'est sa fonction. On a jamais vu quelqu'un qui commande, qui n'applique pas. Non, lui, son rôle dans une entreprise, quelque part, vous amène à obéir à la loi. C'est tout. La discipline. Il est là pour créer une discipline. De la même manière qu'on ne voit pas Dieu, Dieu se représente au travers de ses serviteurs. Vous comprenez? Dieu se représente au travers de ses serviteurs. Or, le choix d'une autorité spirituelle ne dépend pas de sa personne, mais elle dépend de Dieu. Vous comprenez? Alors, quand nous lisons, pour ceux qui connaissent la Bible, quand vous lisez dans Jérémie le chapitre 1, par rapport à la paix de Jérémie, quand Dieu s'adressait à Jérémie, il se sentait jeune, il se sentait incapable d'exercer cette fonction de prophète. Dieu dit stop. Avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi comme prophète des nations. Pour vous dire, le problème de ministère, le problème d'être autorité spirituelle, vraiment, c'est un choix qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend de Dieu. Amen. Dis amen. Amen. Dieu ne consulte, il ne va même pas consulter ton père ni ta mère. Il porte ton choix sur toi pour que tu puisses être son porte-parole. Donc, celui qui est une autorité spirituelle, elle représente Dieu. Est-ce qu'on va bien saisir? Qui est une parole de Dieu? Vous croyez qu'il existe? Qui croyez qu'il existe? Il n'y a pas de problème avec. Vous doutez?
Elle a dit, tu verras si Jésus est. Est-ce qu'elle a dit, j'ai un rêve. Qui est son papa? Qui est sa maman? Quelqu'un a dit, maman, papa, s'il existe. Selon lequel elle est prendre. Il est là. Est-ce qu'il me voit même? Il est où? Il est caché où? Sa maison est où? Dieu existe. La Bible même dit que les démons croient en Dieu. Mais la différence, c'est qu'ils tremblent, n'obéissent pas. Donc Dieu existe. Or, comme on ne le voit pas, et comme il existe, il s'incarne dans les personnes. Donc au travers de ses serviteurs, c'est une représentation de Dieu. Vous comprenez? De la même manière que l'ambassadeur de la République, en fait, l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, représente la France en Côte d'Ivoire, le président de la France en Côte d'Ivoire, c'est de la même manière que toute autorité représente Dieu sur terre. Vous comprenez? L'apôtre Paul va plus loin pour dire, nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Pour vous dire, c'est pareil, c'est la même chose. Donc une autorité spirituelle, c'est quelqu'un qui reçoit un mandat de Dieu pour exercer un ministère. Cela ne dépend pas de tes humeurs. Ça veut dire que Dieu ne regarde pas tes humeurs, Dieu ne regarde pas ce que tu es. Alors, quand on parle d'une autorité spirituelle, ça veut dire déjà, c'est une représentation de Dieu qui est là. Amen. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que Dieu aimerait? La chose est vraiment claire. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités. On dit amen. Voici le problème des hommes. Comme on aime Dieu, très bien. Mais la Bible dit, quand tu aimes Dieu, il faut aussi te soumettre à ses autorités. Nous lisons dans la parole de Dieu. Allons-y. Allons-y. Hein? Oui, merci. Que Dieu te bénisse. Nous lisons dans nous prenons, allons-y, dans 2 Corinthiens, dans autant pour moi, Romains le chapitre 13, le verset 1 à 3. Nous aurons un merveilleux culte. Dis amen. Amen. Dis à quelqu'un, nous aurons un merveilleux culte. Nous aurons un merveilleux culte. Dieu va vous guérir. Dis amen. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Qui croit à sa délivrance ce soir? Amen. Ça va chauffer. Hein? Amen. Amen. Ceux qui n'arrivaient pas à faire enfant, ils auront des enfants. Amen. Apprenez à dire amen, je reçois. Amen. Quand une parole vient d'un homme de Dieu, il faut dire c'est pour toi. Il ne faut pas chercher. Il ne faut pas chercher pour ce qu'il dit. C'est pour toi. Dieu va vous délivrer de l'esprit de pauvreté. Amen. Je reçois. Quand vous vous réveillez le matin, attaquez cet esprit-là. C'est un vilain démon. Pauvreté. Penser, ça donne à l'homme. On dirait envoûtement. Tu penses, et puis tu es fâché, tu calcules, tu es là, on est un sorcier. Tu en veux à tout le monde, comme un sorcier, on dit quelqu'un qui est envoûté. Qu'est-ce qu'il a, le monsieur? Il passe dans la rue, sa maman est morte, il va l'enterrer comment? On dit, le monsieur, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, il passe. Donc, quand vous levez le matin, attaquez l'esprit de la pauvreté. C'est ma prière. Quand vous levez le matin, attaquez l'esprit de la pauvreté. Un pauvre, c'est celui qui est constamment dans les besoins, qui n'arrive pas à satisfaire ses besoins. Donc, il faut que Dieu vous délivre de l'esprit de la pauvreté. Amen. Amen. À toi. Regardez ce que la Bible dit, déclare, vis-à-vis des autorités. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains au chapitre 13, à partir du verset 1 à 3. Amen. Oh, jeune homme, viens, jeune homme. Excusez-moi, ça fait pas son travail. Amen. C'est qui en toi, il faut faire attention. C'est plus fort que toi. Mais je
Je voyais tout à l'heure l'esprit de la sorcellerie qui est en train de flasher. Tu veux que je t'aide? Tu sais que c'est plus fort que toi? Tu sais que l'esprit de la sorcellerie est plus fort que toi? Hein? Je t'aide. Mais il faut le maîtriser. Tu ne peux pas le maîtriser? Il est plus fort que toi. Tu es sorcier. Hein? Tu es sorcier. Tu as fait quoi tout à l'heure? L'esprit a fait quoi? Il te disait quoi tout à l'heure? Sois sincère. Je vais t'aider. Il ne faut pas venir. Hein? L'esprit a fait quoi tout à l'heure? Non, il m'a attaqué. C'est pas des fois de croire. Qu'est-ce que tu as envoyé sur moi? Dis-moi ça seulement. Je vais t'aider. Est-ce que tu n'as pas voulu te sortir ta langue, c'est sorti pour m'attraper, pour se redélivrer? C'est pas ça? Non. Non. Comment je suis venu vers toi? Tu n'as pas jeté ta langue, tu es revenu? Si. Je suis en train de t'aimer. Je ne t'accuse pas. Mais ce qui te dit est tellement vrai. Quelque chose est sorti de toi, ça m'a lâché. Paf! Tu veux que je t'aide? Tu es sorcier? Tu n'es pas encore délivré? Qui t'a donné la sorcellerie? Qui t'a kidnappé? Donc il n'a pas. Tu as mis des noms, tu étais bébé. Comment tu as su? Ah, ça après. Et comment tu es devenu sorcier? Et puis qu'est-ce que tu as fait? Il reste mon basé. Non, non, pas un peu. Il reste mon basé. Délivrer aujourd'hui. Ce soir que ton esprit est en train de m'attaquer.
C'est ça? Oui. Faut aller doucement. Faut aller doucement. D'accord? Oui. Moi, je t'aime. Oui. Je suis prêt à t'aider. D'accord? Oui. On va te nettoyer. On va t'aider. Amen. On va. Jésus va t'aider. Amen. Je me souviens que j'ai envoyé un jeune homme dans mon centre. J'étais au village. Dans les débuts. Là, ils portaient les culottes dans les villages, tout ça. Et on envoie quelqu'un, ils l'ont chassé du village. C'est-à-dire, il a mangé son papa. Il a mangé, on l'a frappé. Il rase pour mettre piment sur lui, on l'a mis au soleil. Il a mangé après maman. Il allait manger nièce, il a mangé neveu. Il a fini la cour du voisin. C'est ça, c'est le jouet. Hey, il ça. Donc, ils ont réuni une réunion de village. On dit, monsieur, le jour où on te voit dans le village, on te brûle. Ils l'ont chassé. Et ils ont dit au monsieur, le monsieur qui veut te délivrer, il est à 10 mots, mais dans un village qu'on avait ça, pour savoir, il veut te délivrer. Quand il est venu, tout ça, je l'ai reçu, tout ça, il recevait le, tout ça, il a bien mangé, tout ça. Mais c'est moi, il veut manger. On a fini croisade vers 3h et 1h du matin. J'ai fait amen pour attendre Laurent. Vers 3h moins du matin, je sens des flashs, je sens des choses. Et je me suis dit, paf, il est tombé. Donc je lui dis, c'est qui? Le voici là. Tu m'attends. Je suis ton tuteur. J'ai décidé de t'héberger. C'est moi qui veux manger. Il dit pardon. Il dit, c'est lui, pardon. J'ai pitié de toi. Pitié. Pitié. Dors. Tu as bien mangé. J'ai fait exprès. Je t'ai donné. Tu dis, j'ai dit, moi, j'ai une foutue. Donc, comme là, les gens m'ont foutu, manger le foutu. Donc, j'ai bien rassasié. Je t'ai demandé de te rassasier. Il dit, oui, va dormir. Donc, je suis pas te rassasier. Donc, tu n'as pas faim. Mais là, c'est moi qui vais manger. Il dit, pardon. Il faut avoir l'amour, hein. Voilà, c'est ça qu'on appelle la compassion. Au moment où ses parents le jettent, je manifeste l'amour, je dis, je vais t'aider. Délivrant, j'ai fait lui. Il est le pasteur m'a touché. Il est pasteur. Je l'ai soutenu. Donc moi, c'est pas un problème. Après une sorcellerie, c'est pareil qui m'a flashé. Or, vous les sorciers, c'est comme ceux qui font de la magie. S'ils vont quelque part, ils vont essayer d'abord, paf. Et quand ça ne marche pas, c'est comme ça tous les sorciers. Ils vont forcément essayer. Qui t'a donné la sorcellerie? Ma mère. Hein? Ma mère. Ta mère. Qui t'a donné la sorcellerie? Et qu'est-ce que tu fais avec ta sorcellerie? De t'enlever ça? De t'enlever ça? Je n'ai pas compris. De t'enlever l'esprit de la sorcellerie. D'enlever l'esprit de la sorcellerie en toi. Tu comprends mon français ou bien c'est bizarre mon français? Non, j'ai pas compris. Vous comprenez? Je dis. Oui. Tu as la sorcellerie, non? Oui. Tu es sorcier? Oui. Il n'y a qu'à enlever ça. Oui, je veux que tu m'enlèves ça. Ok. Ce monsieur, le dimanche passé, j'ai essayé d'attaquer l'esprit. C'est pas ça? Oui. Hein? Oui. Très bien. Quand on est venu ici, dimanche passé, quand tu es venu me voir, j'ai dit quoi? De dire à de partir, de dire à ma grande, quand on rentre, je lui dis tout. De lui dire tout? Oui. Très bien. C'est-à-dire, la chose n'est pas sortie de moi. J'ai dit, il faut dire tout sur ta sorcellerie. Oui. C'est
ce que je veux gérer. Et tu l'as fait? Oui, je l'ai dit à ma grande soeur. Tu as tout dit? Oui. À ta grande soeur? Oui. Tout? Oui. Elle ne savait pas que tu étais sorcière? Non. Très bien. Ça veut dire que je t'ai vu? Oui. Mais pourquoi quelqu'un qui te voit, c'est lui qui veut manger? Non, c'est sérieux ce qu'on est en train de faire. Okay. On dit que c'est plus fort que toi. C'est comme ça on délivre aussi. Hein. Un sorcier qui n'a vous même pas publiquement, on n'a pas pensé qu'il peut être délivré. On n'est pas qu'on dise, prophète Crasso, il met les paroles dans la bouche des gens. J'ai dit, où est ta soeur? J'ai dit, va dire à ta soeur, voilà. Il t'a tout dit. Hein? Elle voulait me rencontrer en semaine. Je dis, non, c'est bon. On dit, ça, comment gérer ça, tout ça. Ce qui m'a poussé à aller directement vers toi, c'est-à-dire que le système que tu as préparé là, qui m'attendait, quand je vais commencer à faire la parole de Dieu et tu vas me matraquer. C'est pas ça? Oui. Mmh. Bon, on dit que j'ai vu. Mais je t'aime, je vais t'aider. Amen. 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 Moi, on est mange beau. Ton marché, tu appelles, faut les ramener à l'orgue. Va ramener les aubergines. Va ramener les tomates. Va ramener les gombos frais. Va les moyens de gombos frais. Faut les ramener ça. Ton placali, va redonner le placali. Ah! Demande le Seigneur, tu veux manger. Mais c'est plus fort que toi, là. C'est fort, non? Voilà. On va te délivrer. C'est la force de cette église-là. Nous, on accepte de tous les nénis. Tu comprends? Oui. Il a tout dit, hein? Parler. Est-ce que c'est moi qui lui ai mis la parole dans la bouche quand il parlait? Est-ce que toi et moi, on avait déjà causé avant de parler avec ta soeur? Hein? Voilà. Est-ce que toi et moi, on avait déjà parlé? Ok. Est-ce que lui et moi, on avait déjà parlé pour qu'il vienne te parler? Ah non. Très bien. Est-ce que tu savais qu'il était sorcier? Moi, je le soupçonnais. Ok, tu le soupçonnais. Très bien. Parce que par moment, il y a des petits alertes. Dieu merci, il y a des gens, quelque part, quand vous flash, Dieu dit, ça c'est du bien. Beaucoup parlé. Bon, quelqu'un qui a parlé beaucoup, on va le délivrer. Mais là, le prophète en fait quoi? Et tu vas faire marcher pour venir, pour me manger. Elle a son combo. Ouais. Hein, Blacali? Non, j'aime bien, là. Hein, c'est bien, bien. Ta soeur dit, c'est bien, bien. Mais vous les voyez, c'est bien, là, c'est du rigueur. C'est rigueur, moi, le prophète. Non, on t'aime. Hein. Tu vois, je suis en. Tu sais, toi, mais comment tu t'appelles? Jean. Jean. Tiens, je veux nom. Jean, nous l'aimons. Mais nous n'aimons pas ce qui est en Jean. Tu comprends? Oui. Tu comprends? Oui. Tu vois, clairement, tu es nerveux, l'esprit est nerveux. Là. L'esprit est fâché. Oui. Pendant qu'il parle, c'est fâché. Ça veut me taper. Tu vois ça? Tu vois ça? Oui. Très bien. Mais il ne peut pas. Tu vois, non? Donc tu as vu que toi-même tu es Jean, non? Oui. Mais il y a quelque chose en toi que tu ne maîtrises pas. Non. Voilà. C'est ce qui est en toi que tu ne maîtrises pas là. C'est ça qu'on va aider. Parce que si on n'en aide pas, le voisin qui a l'église, tu vas le manger. Mais c'est la vérité. Supposons qu'il n'a pas pu manger le maréchal. Il a fait marcher. Il va laisser ça comment? Il va repartir jeune pour faire chose. N'ayez pas peur. Si vous venez dans cette église, vous êtes sous la protection de Dieu. Amen. Amen. J'ai vu le voisin tout à l'heure, le voisin dit. Dans mon voisin, c'est comme ça, derrière moi. Hein? Il allait appeler mon âme pour manger. Les gens t'aiment, tu vois. Je suis en train de dire.
banaliser l'esprit qui est en toi. Je me moque de l'esprit qui est en toi. Et pour te sauver. Voilà. On devait te délivrer. Mais l'esprit qui est en toi dit, le délivreur, il faut l'attaquer. C'est ça que je suis en train de faire. Et tu as envie de parler. Tu peux parler. Tu veux délivrer. La condition, seule condition, c'est de parler. Tu aimes le diable? Quoi? Le diable. Non. Tu aimes sorcellerie? Non. Il faut dénoncer. Quand tu n'aimes pas quelque chose, lui dis la vérité, je ne t'aime pas. Voici ça, quitte ma vie. Non? Vous savez comment ça se passe? Tu l'aimes? Ok, débarrasse-toi de ça. Tu parles pas. De ta lever ou bien de laisser? Hein? Bon, je vais te donner un exemple, peut-être banal, ça c'est bizarre. Tu as quelqu'un, tu vas à l'hôpital, n'est-ce pas? Hein? Il y a le médecin qui est là. Lui, il fait seringue. Ça, ça fait peur à tout le monde, même si tu es prophète. Ça fait peur. Hein? C'est pas ton mari. Il dit qu'il faut percer les fesses. Tu vas avoir peur? Tu as oublié de faire ça? Là, c'est ton travail qui demande ça. N'est-ce pas? Oui. Mon travail aimerait que tu parles. Et quand tu vas parler, merci sera tellement humilié que lui va partir. Pourquoi? Parce qu'il va se sentir dans un corps qui ne pourra plus contrôler. Ce qui maintient la sorcellerie, c'est votre histoire de garder secret là. Parce que c'est un pacte que vous avez signé, vous ne devez même pas dire ce qui se passe. Ça doit garder, rester pour vous seul. Et ça, ça maintient la sorcellerie. Or, le diable, c'est comme ça qu'il travaille. Tu vois, non? L'esprit a commencé à s'affaiblir. Quand j'ai parlé, il a compris. La poussin se il a compris. Or, la parole de Dieu, c'est la base de vérité. L'esprit ne me moyen pas. Donc, tu vois, non? C'est ça qu'il fait ma tête comme ça pour dire, vous mangez. Un jour, il me dit, ah, prophète, tu es notre père spirituel. Il y a un Ivoirien, on l'appelle Akezo, il a changé son sorcellerie, l'ont tué. Il y a un gars qui avait pas un sacro, quoi, l'oré sacro, il a changé son sorcellerie, on l'a tué. Mais toi, on t'aime beaucoup. Pardon. Vas-y, travaille. Je lui ai dit, moi, eux, on n'a pas la même vocation. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à aller changer son sorcellerie là? Toi qui n'as pas la force, tu vas chanter quelqu'un qui est plus fort que toi. Là, va te manger. Il va te manger. Moi, la sorcellerie que j'ai rencontrée, si je n'étais pas appelé du Seigneur, alléluia, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Amen. Ce domaine, tu n'es pas appelé, c'est même pas la paix. C'est pas Paris. Les gens m'ont connu dans les villages. Je suis à Paris pour vous aider. Donc je sais sur quoi je suis appuyé. Je m'appuie pour parler. Sinon, je parle. Sinon, en temps normal, lui, là, il m'a déjà frappé. Il m'a gagné. Il m'a déjà pris. Mais il y a une alliance entre moi et Dieu. Donc quand il essaie, Dieu renouvelle son alliance. Il dit, stop. Lui, là, c'est un choix. Il faut aller doucement. C'est comme ça, c'est. Très bien, ça va? Chante. Chante. Oui. Pourquoi? Parce qu'il m'arrive beaucoup de choses. Que je souffre beaucoup de choses. Oh là là. Tu as honte de parler? Non, je n'ai pas honte de parler. Ok, vas-y, parle. Qu'est-ce que tu as fait? Quand tu as eu la sorcellerie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es originaire d'où? Du Sénégal? Je suis né au Sénégal. Tu es né au Sénégal? Oui. Ok. Donc, quand tu as eu la sorcellerie, tu as fait quoi? Tu as fait quel dégât? J'ai cassé beaucoup de.
Dans ma famille. Hein? Dans ma famille, ma grand-sœur. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit? Tu as été sorcier depuis petit. Oui. Ça veut dire que tu as beaucoup mangé. Oui. D'accord. Tu as tué beaucoup. Oui. Très bien. Tu as tué combien? 320. 320 personnes. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en 320. Comment vous arrivez à mémoriser ça? Comment tu arrives à savoir le nombre de personnes? Non, de savoir pourquoi vous retenez exactement le nombre. Et je suis en train de t'aider, hein. Il faut aller un peu rapidement, il faut qu'on avance. C'est une demande de faire, de partir faire. C'est là-bas qu'on. Les missions qu'on doit faire. Oui. Donc quand tu tues, on a, tu as tué tant. C'est ça? Oui. Quand tu deux, c'est deux. C'est ça? Oui. Jusqu'à aujourd'hui, tu as tué jusqu'à combien? 300. Et tu as beaucoup mangé. Quand tu les tues, tu les manges. Moi, je suis demandé de faire des missions jamais. Tu ne réponds pas à ma question. Pourquoi vous êtes même chaud les soucis? Il faut répondre à ma question. Tu les manges? Oui. Très bien, c'est tout. Ok. Quand vous mangez la chair de l'homme, ça vous fait quoi? Ça fait du bien. Oui. Quel bien? Donc, vous carré qui vend beurre, c'est pas bon pour vous. La viande qu'on vend marché là, c'est pas bon pour vous. Entre la viande d'ici et puis pour vous sorcellerie, la viande de l'homme, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon? Il dit vient de l'homme. Une fois tu es voisin de quelqu'un. Il dit celui qui vend vient de manger, la bruit n'est pas bon. C'est pour l'homme qui est bon. Puis toi tu es voisin de quelqu'un. Le jour tu ne trouves pas bien. Le voisin il est mal barré, hein? Amen. Ok. On va t'aider, d'accord? Qu'est-ce qui est bon dedans? Qu'est-ce qui est bon dedans? Non, je dis c'est bon. Pour t'expliquer la partie intéressante de la viande, qu'est-ce que c'est bon dedans? Hein? Non, je n'ai pas dit la partie, le morceau. Ça vous donne quoi? Ça donne quelle énergie? Ça donne quelle force? Quand tu manges de l'or, puis laisse une vieille brève. Ça donne la force. La force. Hein, quelle force? La force. Sorcellerie. Ah, ça veut dire quand tu manges la viande de sorcellerie, tu as plus de force pour les tuer. C'est ça? Oui. Okay. Comment tu pars tuer? Tu tues comment? Parle fort. Est-ce qu'on te force pour parler? Non. Hein? Dragon. Hein? Dragon. Ah, tu es un dragonnier. Y'a quoi m'amener, je vous dis. C'est un dragonnier. Tu as le dragon. Oui. Il est comment le dragon? Blanc. Hein? Blanc. Pourquoi il est blanc? C'est comment blanc? Faut expliquer. Ton dragon est blanc. Comment? Ça y est, l'esprit qui a envie de la Bible. Tapez! Salut! C'est méchant, les esprits. Salut, il est là, mais l'esprit qui dit, il est répondu, il n'a pas marché. Pour que ce soit là, qu'il y ait une bonne chose qui soit faite. Le prophète serait dans la marmite. Les tripes du prophète, vous en imaginez les tripes, la cuisse, ses oreilles, ses narines, on va manger ça la nuit.
Oh, les chichous, il y a abandonné. C'est ton terminé de manger aujourd'hui. Ok, tu prends le dragon. Il est comment le dragon? Il est blanc. Il est blanc. On dirait qu'on te porte, tu n'es pas content. Non. Tu n'as pas lui parler. Tu n'as pas lui parler. Si, si. Il faut regarder les gens. Tu as honte de. Demain, sera camarade. Regarde là-bas. Parce que lui, il respectait dans moi. Il me disait de ne pas regarder. Mais moi, je te dis, regarde. De lui à l'esprit et moi, tu vas obéir à qui? Tu obéis à mes ordres. Allez, les gars, là-bas. N'aie pas peur du regard. Il y a d'autres qui ont commencé à s'abaisser. Allez, là, tu vois, là. J'en viens à l'image. Oh! J'ai envie qu'il arrive là. Moi, j'ai déjà préparé mes trucs. Vous voyez, il y a encore problème. Mais regardez ça. Puis dans le Seigneur, dans la maison du Seigneur. Oh, dans la maison du Seigneur. Il ne va pas vous toucher. Amen. Vous savez pas ce que vous faites dans vos cœurs. La Bible dit ça. Donc, ça va? Oui. Vous regardez. Maintenant, là, tu dois obéir à Dieu. Tu ne dois pas obéir à ton diable. Ok, donc il est blanc comment? Comme la chemise de mon casque là, comme ça. Hein? Non. Mais ton blanc là, c'est comment? C'est blanc comme blanc sale. Hein? Blanc cassé. Ah, blanc cassé. Il est comment? Il a nuit, il a le nez, il a quoi? Oui, il a le comme il est dragon, mais il est plus. Comment faut le décrire, quoi. Montre-nous sa forme, c'est comment. Tu parles ou pas? C'est comment? Il est blanc. Oui, ça on sait la couleur. A, mais lui, il est quoi? Comment? Il a des ailes. Il a des ailes. Oui. Il ressemble à quoi? Il ressemble à un monstre. Un monstre. Oui. Et c'est lui qui est avec toi. Oui. Et il travaille avec toi. Non, il vient me chercher. Ah, il vient te chercher. Oui. Comment? La nuit. Il vient te chercher la nuit. Oui. Et vous allez où? On parle de faire mon mission. Hein? Mon mission. Vos missions? Oui. Tu es missionnaire. Et c'est ce que ça veut dire? Quelqu'un qui va en mission, il est missionnaire. Vous partez en mission, où vous voulez partir? Il te met où? En dos? Et il est quitté, tu l'as eu où ça? Quand j'étais petit, là on m'a donné ça. Alors, donc quand tu étais petit, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais partie en Guinée-Bissau, on m'a kidnappé. On t'a kidnappé? Oui. Quand tu allais en Guinée-Bissau? Oui. Ils t'ont kidnappé? Oui. Ok. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a kidnappé là-bas. Trois mois. Tu avais trois mois? Non, trois mois de disparition. Ah, tu as disparu pendant trois mois? Trois mois. Devant tes parents? Les parents, ceux qui t'avaient disparu? Oui, à Pézé, c'est là-bas. Quand je suis devenu. Non. Il faut que tu m'expliques ça. Oui. C'est-à-dire, quand tu es en Guinée-Bissau, tu es né au Sénégal. Oui. Ok. Et tu es parti, on t'a envoyé à Guinée-Bissau. Oui, quand je suis devenu. Oui, c'est ça que tu le dis. Oui. Donc, quand tu étais bébé, tu es parti en Guinée-Bissau. On t'a envoyé à Guinée-Bissau. Oui. Et tu étais bébé. Oui. Ok. Et tu étais bébé, ils t'ont kidnappé, comme tu as dit. C'est ça? C'est ça? Oui. Pendant trois mois. Oui. Qui l'a fait? Les membres de ma famille. Les membres de ta famille. Oui. Du côté maman ou du côté papa? Côté maman. Du côté maman. Ils t'ont récupéré. Oui. Physiquement, tout le monde savait qu'il t'avait disparu. Oui, tout le monde. Tout le monde savait ça. C'est ça? Et on le cherchait.
Il avait quel mois en ce moment? Il avait quel âge? Il avait une semaine. Il était né, ça valait une semaine. Donc physiquement, on le cherchait. Oui, parce que quand il est né, bon, quand mon père il était chef du village de là-bas, de notre village, d'où on est originaire. Et en ce temps-là, il y avait leur truc traditionnel. Il y avait leur truc traditionnel qui se passait en Guinée-Bissau. On a imposé à mon papa d'amener tous les garçons. Et lui, il venait tout juste de naître. Il avait une semaine, deux semaines comme ça. Il ne voulait pas, mais les vieux qui étaient au village, ils insistaient à lui dire non, il faut que tout le monde vienne, tous les garçons. Ah, il faut que tous les garçons viennent. Voilà. Et donc, il était déjà né, ça faisait deux semaines. Deux semaines comme ça. Il était bébé. C'est ça qu'ils l'ont envoyé. Mais ils sont tous partis, hein. Mes grands frères, lui, c'était... Oui, mais comme j'étais aussi garçon... Il devait partir. Il était aussi parti, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Donc, ce frère que l'on a envoyé. Mais la suite, c'est quoi? Pourquoi il a disparu? Ils ne nous ont pas donné une raison. Mon père, il nous a juste... Mais ça, il a fait 3 mois. Oui, parce que le bois sacré, là, comme il dit... Ah non, c'est dans le bois sacré. C'est dans le bois sacré. Ils l'ont pris... Il était rentré dans le bois sacré. Non, lui, il essaie. Parce qu'il faut expliquer, parce que les autres ne sont pas nés ici, tu ne comprends pas. Donc, ils l'ont pris sans vous consulter. Non, ils ont prévenu mon papa qu'il devait envoyer tous les garçons. Je sais. Voilà. Puisque la vie, ils l'ont kidnappé. Bon, nous, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Du coup, on avait la nouvelle comme quoi, lui, il avait disparu. Mais justement, c'est de la disparition que je veux parler. Voilà. Donc, ça veut dire quand il a disparu, il n'y avait pas d'information. De savoir où ils l'ont amené. Non, on n'avait pas. Voilà, c'est ce que... On ne savait pas. Et vous l'avez su après combien de temps? Non, on a appelé mon papa pour lui prévenir. Vous l'avez su après? Combien de temps après il a apparu? Parce que quand c'est quand ils sont revenus. Quand ils sont revenus de Guinée-Bissau. Il a fait combien de temps dans cette disparition? Il a disparu. Voilà, c'est ce que je veux. Tu vois les détails, tu entends me dire. Donc il a lu une vie disparition de vérifier l'information. Oui, c'est trop. Ah, bon, merci. Donc, tu vois, ça veut dire que toi-même, tu es victime. Tu comprends? Oui. Voilà. Tu es victime, d'accord? Oui. Voilà. Ça veut dire que tu n'as rien à voir avec ce qui se passe. C'est une partie de ta vie qui est en train de se réveiller. Tu comprends? Mais c'est parce que ce qui est en toi, c'est trop mauvais. Tu comprends? Je suis en train de prêcher, tu veux me manger. Et tu as tué jusqu'à 320 personnes. Donc, tu fais peur. Ce qui est en toi fait peur. Donc, ça vous dit, toi-même, tu es victime de quelque chose que tu n'as pas souhaité. Tu comprends? Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir le courage d'en parler. Ils t'ont pris sans consulter quelqu'un. Ok? Ça fait 3 mois que tu as disparu. Et tu étais où pendant les 3 mois? Puisque j'étais petit, à peine puisque je commençais à devenir grand, les souvenirs commencent à venir. C'est à cause d'abord qu'on m'a dit que quand tu étais petit, tu étais disparu en Guinée-Bissau. Drapeau, d'accord. Donc c'est là-bas que tu as eu le drapeau, là. C'est une question que j'ai posée. Donc c'est dans la forêt sacrée. Oui, c'est où c'est passé, tu sais? Dans une autre forêt. Dans une autre forêt. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de toi dans la forêt? Ils m'ont donné quelque chose. Quelle est la chose qu'on aurait? Une chose à manger, c'est quoi? Tu es bébé, c'est quoi ils t'ont donné? J'étais bébé, mais je vois. Et quand je suis... Non, je sais! Parce que quand on met l'esprit en toi, déjà étant bébé, ton esprit s'ouvre, tu n'es plus le bébé. Tu n'es plus le bébé normal. Tu deviens un bébé qui n'est pas d'ami. Un bébé dangereux. Parce qu'un bébé qui peut résister 3 mois en dehors de ses parents, ça veut dire que c'est un esprit maintenant. Au fait, tu comprends? Nous, on comprend maintenant que tu es victime, vous comprenez? Voilà, donc il faut qu'on l'aide, n'est-ce pas? Voilà, on l'aide. Donc, on l'a mis dans un machin, ce qui fait que tu n'es plus comme nous. C'est pas ça? Tu n'es plus comme nous. Hein? Il y a quelque chose qui est en toi qui est différent de nous. C'est quoi? C'est qui en toi là? C'est quoi? C'est quoi d'abord? Voilà. Ça fait peur ou ça ne fait pas peur? Ah! Vous comprenez? C'est comme vous voyez quelqu'un qui vient vous voir. Madame, bonjour, vous savez, bonjour.
Je m'appelle Anagi, je suis un braqueur. Il n'a pas le temps de lui boire de l'eau. Quoi qu'à soi. Tu as Anagi, oui. Mais je suis un braqueur. C'est bon. Braqueur, j'ai dit là. Ça, c'est vraiment, c'est bon. Va aller dans tout mon lot. C'est ça ton problème avec nous. Tu es gentil, hein? C'est super. Mais tu es sorcier. Hein? Or, sorcellerie n'est pas camarade de quelqu'un. Au moment où tu veux l'aider, lui prépare la viande, il prépare la machine. Il va te manger. Il dit, il aime bien la cuisse. C'est pas là? Il aime les jugos du gigot. Quelqu'un qui aime le gigot, tu seras camarade de lui. En fait, nous maintenant on comprend, chacun d'entre nous, moi à partir de moi, tout le monde, à partir de ton histoire, on comprend que tu n'as pas souhaité être celui que tu es maintenant. Tu comprends? Ok. Sans cela qu'on va se mettre ensemble pour t'aider. Parce qu'ils t'ont donné la chose, d'accord? Et si on n'en est pas ça, tu vas faire des dégâts autour de toi. Ils ont fait des tests sur que tu sois insensible. Allez, tu mets ça là. Ou gâter, est-ce que tu. Quand tu vois l'homme tuer, est-ce que ça te fait quelque chose? Quand tu tues, est-ce que tu as un remords? Non. Vous voyez? Non, il n'a pas un remords. Donc pour lui, c'est une profession. Parce qu'on dit quelqu'un informaticien. Monsieur, vos boulots, vous faites quoi comme travail? Je suis sorcier. Hein? Bonjour monsieur. Ça vous va? Je suis monsieur, je suis monsieur Jean. Vous faites quel travail? Je suis un sorcier. Le monsieur à qui tu as dit, s'il y a une fenêtre, il est au 14e étage. Il va descendre du 14e étage. Parce que le nom que tu dis là, ça fait peur à tout le monde. D'accord? Tu es victime. Non? C'est là-bas que tu as reçu ça? C'est là-bas qu'ils t'ont rendu sorcier. Et tu tues. Et tu as tué combien? 320. Hein? On n'entend plus parler. 320. Tu as tué 320. Tu as gâté les gens? Hein? Oui. Tu prends le dragon, c'est pas ça? Oui. Ça fait que le dragon que tu tues, il vient te chercher. Et vous allez tuer. Oui. Et quand vous finissez, tu reviens. Oui. Et tu ne dis à personne. Oui. Et tu as gardé ce secret. Oui. Pourquoi? Hein? Vous avez compris? Il dit? C'est un pacte de financier, on dit, on en vaut, ils vont vous tuer. Très bien. Il dit, si il dit, ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Et ça, tout le monde sait ça. Voilà. Ceux qui ont l'habitude de regarder, voir les sorciers faire des aveux, ils savent. Sauf ça que ta maman, si elle est dedans, elle ne va jamais te dire. Elle va d'abord dire, non. Je suis gentil, hé, maman. Tu es gentil, mais c'est clair, toi, tu n'es pas gentil. Tu es gentil, c'est vrai, tu as préparé. Est-ce que depuis, c'était censé. Tu es gentil, ça, c'est maman. Mais ce qui est en toi, il n'est pas gentil. Il manque plus. Ça va? Donc, on ne parle pas. C'est-à-dire, le jour où tu parles, ils vont te tuer. Oui. Ok. Donc, tu as peur de parler. Je te rassure que si tu parles, tu seras délivré. Amen. C'est ça? Donc, tu as tué beaucoup, beaucoup, jusqu'à 320 personnes. Oui. Donc, le dragon, il va avec toi, il fait ce qu'il veut. Ton dragon, il boit le sang ou pas? Parce que, il y a des dragons, ils boivent le sang. Pour toi, il fait quoi? Il boit pas le sang. Il boit le sang. Il boit le sang. Non, le sang, donc, il est sang. Des poissons. Oui. Je veux qu'il s'appelle peur. Tu viens quelqu'un, donc sa bête, qui l'élève là, des poissons. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être délivré? Oui. Dis-nous ce que tu as fait. Dis-nous qu'est-ce que ça se suit à faire avec toi. Dis-nous. Dis-nous, on va t'aider. Je t'écoute. J'ai
choses dans la famille. Oui. Ouais, ça veut dire que la sorcellerie est d'abord familiale. Tu as raté quoi et quoi? Ma soeur. Hein? Ma soeur et mon frère. C'est là. Tu as raté quoi? Ses yeux. T'as fait quoi? Ses yeux. Ses études. Tu as raté ses études? Oui. Lequel? Tu as fait. Tu as raté quelle étude? Tu as fait quoi? Quelle étude tu as raté? Son bac. Comment tu as raté ça? J'ai envoyé un esprit pour qu'on se concentre pas sur les épreuves. Tu envoies un esprit pour ne pas qu'elle se concentre. C'est comment tu envoies les esprits? Je t'écoute. Hein. Comment tu envoies les esprits? Comment tu envoies les esprits? Je l'envoie avec par le vent. Hein? Par le vent. Le vent. Oui. Comment? Esprit. Je dis l'esprit. On va perturber son esprit. Son bon, je donne un nom banal. Fodi Gévitor. Ça le prend, c'est bon. Tiens. Ouvre les gars sorciers. Bon, par exemple, tu vas attaquer Gévitor. Il a tout le preu, c'est un sorcier. Comment tu fais? Je dis son nom. Non, oui, vas-y. Je dis son nom, Esprit. Mais dis son nom, j'avais Gévitor. Dis. Esprit. De Gatéry. Hein? Va gâter ma soeur qui me concentre. Non, laisse sa soeur. Tu as déjà gâté là-bas. On est en train de donner un exemple. Je donnais un nom. Par exemple, Gévitor. Gévitor. Hein? Gévitor. Gévitor, oui? Oui. Allons-y. L'esprit, va gâter Gévitor qui ne concentre pas. Ah, tu as dit esprit, Gévitor, il a tout le feu. Va le gâter. Donc, tu te concentres, tu fais des incantations, tu fais des incantations. Et puis, qu'est-ce que ça fait? L'esprit va l'attaquer. Et puis quand ça gâte, tu es content. Tu réussis toujours ta mission? Non. Pas toujours la mission? Non. Okay. Donc tu as gardé deux personnes dans la famille. Il y a un autre, mon grand-père aussi. Tu as gardé quoi dans la vie de ton père? J'ai gardé. Parce que lui, il est... L'esprit lui a dit que lui, il est plus important dans la famille. Qu'est-ce que d'abord gâter avant d'être important? Qu'est-ce que tu as gâté dans la vie de ton frère? Ses études. Encore ses études? Oui. Tu as plutôt gâté? Oui. Et tu as gâté les deux seulement? Non, il y a d'autres, mon grand-père aussi. Donc la plupart des gens de ta famille? Oui. Vous n'êtes pas qui reçu dans la vie? Oui. En dehors de ta famille, quels sont les dégâts que tu fais? En dehors de la famille, c'était la famille. Hein? C'était la famille. Pardon? C'était la famille. Non, c'est pas la famille. Tu as gâté quoi et quoi dans la vie des gens que tu rencontres? Quand tu rencontres des gens, tu gâtes quoi dans leur vie? Tu aimes gâter la chance des gens, c'est ça? C'est ça? Oui. Comment tu vois la chance des gens? Quand tu vois les gens, c'est ça qu'ils ont la chance. Oui. Attends, si tu veux qu'on continue? Oui, je suis en train de te forcer à dire des choses. Non. Je te force? Non. Oui, mais on attend d'avancer dans quelque chose. Oui, parce qu'on est en train de pousser un pignon. Quand tu vois quelqu'un, tu sais que la personne a une chance. Hein? Et quand tu gâtes, du coup, tu gâtes. Et l'esprit, il m'a dit beaucoup de choses.
Je sais. On a déjà compris ici que c'est l'esprit. On comprend que c'est pas toi-même, c'est poussé par un esprit qui le fait. Hein? Parce que quand je faisais pas les, quand je faisais pas les missions, tout ça, là, il m'a tapé. Faut pas créer la pitié dans mon cœur. On a déjà pitié de toi. Non, on a déjà pitié de toi. Faut pas venir créer la petite pitié. Oh. On a déjà ça. Si c'est la pitié, on a déjà ça. Personne ne te regarde comme quelqu'un de bizarre. Non, personne. Personne ne te regarde comme quelqu'un de très bizarre. Personne. On a tous pitié. Donc, l'esprit te pousse à gâter. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a la chance, tu gâtes. Je vous dis, tu peux marcher comme ça, ta petite chance qui t'a amené à 1500 euros. Le gars peut venir prendre ça, pouf, il est dans le métro. Ton patron dit, lui, là, on le renvoie. Hein? Je n'avais pas ce cœur-là. On m'a arraché ce cœur quand j'étais. Pas fort. Quand j'étais enfant. Là. Quand tu étais enfant, le cœur de avoir pitié, là, oui. Ils t'ont arraché ça. Ou n'est pas que tu as pitié. Très bien. Non, c'est hein. Quand tu as 10 ans, ça, on sait ça. Hein. Ce qui fait que tu gardes beaucoup. Ah, tac, 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 tu gardes quelque chose. Hein? Quand les gens qui sont dans la foi, tout ça, ils me disent que il ne faut pas que les gens soient dans la joie. Il ne faut pas que les gens soient dans la joie. Parce que on a ta, ton cœur. Et dans la foule des pasteurs, tu as fait quoi? Ça fait combien de temps que tu vis avec eux? Ça fait un an. Un an. Et qu'est-ce que tu as caché dans sa peau? Ici en France. Ah, elle habite où? Elle habite à Dakar. Non, elle habite. Pourquoi tu me poses la question ici en France? Où tu vis? Ici. Chez qui? Chez ma grand-mère. Mais vous avez dit ça, je parle. Qu'est-ce que tu as gâté? J'ai gâté ses pieds. Tu avais dit quoi? Toi, tu aimes plus ça. Tu as gâté les pieds comment? J'ai encore l'esprit qui met des briques là-bas. Hein? Des briques. Qui ne dit pas les choses claires, claires, claires. Je suis obligé de te laisser tomber. Non, j'ai envoyé l'esprit, j'ai mis des briques là-bas dans son pied. Des quoi? Briques. Ça veut dire quoi? Quelle brique? Briques contre les maisons. Elle a un garçon? Elle a un jeune homme qui est garçon? Elle a un petit garçon? Parfait, ta soeur, est-ce qu'elle n'a pas un garçon? Un enfant garçon? Oui. Hein? Oui. Comment il s'appelle? Il s'appelle Alexandre. Il est où? Qu'est-ce que tu as fait de petit? Si tu es sincère, tu me dis. De petit. Qu'est-ce que tu as fait de petit? De petit, j'ai mis le l'esprit qui devient toujours enfant. Okay. Je vais te dire ce que tu as fait. Tu as pris ton doigt, ce genre de doigt, tu as mis dans son anus, et tu as pris sur lui toute ta chance, sa chance. Et tu lui as donné un esprit d'homosocialité comme toi. On couche avec toi, non? J'aime bien ça. C'est ça? Oui. Hein? On couche avec toi. Non. Qui t'a donné ça? Mon père. Un père? Oui. C'est quel père? Le père qui a dit que le père qui. J'avais besoin de. Parce que quand j'étais. Pas normal tout ça, j'ai
pas normal. J'ai des problèmes. Donc tu dis, hé, mon père, père. Et le père a fait quoi? Il a abusé de moi. Et là? Il a abusé de moi. Et c'est là que tu as reçu l'esprit. Oui. Comme ici, là, vous n'aimez pas trop qu'on parle de ça. Mais pourquoi tu as fait ça, le petit truc là, si ton neveu? Pourquoi? Tu l'as fait ou pas? Oui, je l'ai fait. Très bien. Est-ce que j'étais là? Non. Très bien. Le petit est où? Est-ce qu'on peut prier pour l'enfant? Non, mais ne regardez pas d'une bizarre manière bizarre. Ça va? Comment il s'appelle? Le Saint-Esprit savait ça. Sans cela que je suis prophète. Le Saint-Esprit savait ça. Ça va? Non, je sais que tu as choqué, c'est ça? Non, si, tu es choqué. Tu sais ce que ta femme t'a dit à l'oreille? Pour moi, ça va, mais mon mari. Non, je ne l'ai pas caché. Le jour où vous m'avez touché en premier, je lui ai tombé là. J'ai pleuré parce que ce que je voulais, c'est que lui il soit délivré. D'accord. Mais j'avais des doutes quand même que, bon, on sait qu'il a... Oui, oui, bon. Maintenant, il touche une partie sensible de ta vie. Hein? C'est mon petit frère, je te pardonne. Regarde le droit dans le jeu, dis-lui. Dis-lui que malgré ça, non, dis-lui, dis-lui. C'est mon frère, oui. Voilà. Marie, c'est un bon mari. Mais c'est un bon mari. Ok? Il comprend la situation. Merci. Ce qu'on dit, tout le monde te comprend. Et parce qu'on te comprend, on ne condamne pas l'acte. C'est pas parce qu'on te comprend qu'on ne condamne pas l'esprit qui est en toi. Ce que nous voulons maintenant, c'est que l'esprit part de toi. Et que tu deviens le vrai Jean que les gens aiment. Et que tu sois, n'est-ce pas, bien dans leur maison. C'est là que nous sommes en train d'arriver. Tu comprends? J'étais sous moi. Tu comprends? Puisque je ne parle pas de silence, c'est ça? Tu restais tout le temps en train de faire beaucoup de dégâts, c'est ça? Mais on va t'aider. Parce que Dieu lui-même ne te condamne pas. Ok? Nous aussi, nous ne pouvons pas te condamner. D'accord? Nous allons t'aider. Comment tu es arrivé à prendre la chance de notre frère? Vous savez que quand les gens abusent, ce n'est pas par un hasard, quand les gens vont abuser d'un enfant, surtout d'un enfant, un gamin, hein, de sodomiser. Ça absorbe toute la bénédiction de l'être en face.
Et la pratique dit, comme le péché est rentré par l'homme, par la femme, il faut toucher l'homme. Donc les gens, ils font ça, ils ont un intérêt à quelque chose de très fort dans le domaine spirituel que les gens récupèrent. Vous comprenez? Moi, tout ce qui touche à l'enfant, je suis très sensible à ça. Moi, personnellement, moi, quand quelque chose, Dieu m'a donné un cœur pour protéger, surtout les enfants. Ce cœur-là, Dieu me l'a donné. Surtout l'innocence, mais on ne te condamne pas. Hein. D'accord? On a la pratique, d'accord? Okay. Tout le monde t'aime. Aucun d'entre eux ne va te rejeter. Ok? Aucun d'entre eux. D'accord? Et qu'est-ce que tu as fait encore? Je préfère zapper l'histoire de l'enfant. On n'est pas que ça va toucher nos sensibilités. Ça va nous rendre bizarre. Oh, on a déjà pitié de toi. On va arriver sur le terrain, on va te voir en bizarre, tu dis. On va commencer à se braquer comme toi. Donc je préfère zapper ça. Pour te comprendre et t'aider. D'accord? L'esprit dit de me manger déjà. Hein? L'esprit dit de me manger. Hein? Oui. Ah, les gens viennent te délivrer. Oui, l'esprit. J'ai tout fait pour le mettre ensemble. Le body, c'est mon frère. Oh, c'est moi, une guette. Pour moi, il y a sa sauce, j'oublie. Bon, bruyant. Vous voyez comment c'est bête la société? C'est trop bête. On va t'aider, d'accord? C'est plus fort que toi. C'est ça, non? C'est plus fort, ça. C'est clair. C'est pour cela que nous, on te condamne, on te comprend. Et puis, on va t'aider. D'accord? Oui. On t'aidera. Mais toi, renonce à ça. Ça dit, les choses du diable dénoncent et abandonnent ça. Tu ne pourras m'abandonner que lorsque le démon est parti. Il ira tout à l'heure. Il va partir. Amen. Amen. Quand on te faisait la délivrance dimanche, le dragon était à la maison là-bas, c'est ça? C'est ça? Non, hein? D'accord. Donc, quand on a fini de chasser, on t'a donné d'autres pouvoirs. C'est ça? Il y avait cette femme aussi. Cette femme qui couchait à la nuit. Qui est de l'eau. Oui. Elle est dans l'eau. Oui, quand si je faisais parler une mission, c'est la femme qui vient, qui me dit, t'as pas fait la mission, c'est elle qui vient coucher avec moi. Ah, ça veut dire elle qui t'ouvre. Oui. Dans l'eau. Oui. Vous venez coucher avec toi. Oui. Donc c'est Mamie Wada. Ça veut dire la mère de l'eau. La sirène des eaux, c'est ça? Oui. Ça dit toi-même, tu as fini la grande société. Tu as la babamène et tu as la dame encore avec toi. On va t'aider. Ça ne nous effraie pas. Hein? On va t'aider. Ok? Ok, on va t'aider. D'accord? Oui. Pourquoi il y a un jet? Parce que tu n'as pas reçu une mission. Et il envoie vers toi. Oui. Et quand elle couche avec toi, ça fait quoi? C'est dur. C'est comme du feu. Hein? Coucher avec quelqu'un, c'est du feu. Attends, pour l'avoir, il y a des choses. Vous savez, vous-même, vous n'aimez pas tout ce qui est bon. La coucher avec toi, c'est le feu dedans. Le diable est trop dangereux. Les gens, ils couchent à elle, les gens, c'est des plaisirs, mais pour vous, il y a le feu dedans. Ok. D'accord. Donc, l'esprit t'a donné d'autres pouvoirs. C'est ça? C'est ça? C'est le paradis et la dame. Ils t'ont donné d'autres pouvoirs. Ils t'ont chargé encore. Je vais te dire.
Tu vois comme c'est des menteurs, ils t'ont apporté quoi tout le temps. Jusqu'à ce que tu sois maintenant là. Tu as quel âge? J'ai 30 ans. Tu as 30 ans. Pendant les 30 années jusqu'à maintenant, quand tu vois ta vie, c'est quoi devant toi? Rien du tout. C'est ça? Ça veut dire qu'ils t'exploitent. N'est-ce pas? Oui. Tu veux les quitter? Oui, je veux les quitter. Vas-y, dis ce qu'ils ont fait, tu renonces à ça. Dis. Je t'en ai quel pouvoir, quand tu es parti. Mais le dragon, il est là. Je t'en ai le pouvoir de taper quelqu'un, il va mourir un coup. C'est ça? Ça, tu as réussi ça? Oui. Ok. Tu as réussi le pouvoir de pouvoir empoisonner les gens, mourir. Tu l'as réussi aussi? Oui. Donc, ça fait 72 pouvoirs qu'ils t'ont donné. C'est ça? Oui. Tu as vu que je suis ça? À cause de l'esprit du prophète qui est avant. Tu comprends? Maintenant, on va t'aider. Ça veut dire que tu n'es plus dangereux qu'avant. Tu n'en as pas ça? Tu n'as pas remarqué? Ok. On va désarmer ça. Il faut t'adresser aux démons. N'aie pas peur. Et là, cache la tête. Viens ici. Les gens disent, mais comment c'est moisi, les gars, t'as pu s'adresser. Il faut parler comme si tu avais affaire à ces démons qui ont fait de toi un esclave. Comme si tu avais affaire à la cire des eaux. Il faut t'adresser. Et puis dire que tu te sépares d'eux. Tu as peur? Tu as peur? Hein? Et qui a peur? Il ne faut pas avoir peur. D'accord? D'accord? Il a peur. Dragon. Mais c'est le chicote. Et s'il va me manger, il ne faut pas avoir peur. La Bible dit, n'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur. La peur, c'est quand tu n'as pas foi en Dieu. Dieu va sécuriser ta vie. Entre Dieu et le diable, qui est fort? Hein? Dieu. Tu sais ça? Amen. Non, il est dit au bout des lèvres. C'est pas du fond du cœur. Non, parce que c'est beaucoup, moi, ça ne me juge pas pour satisfait. Tu sais que c'est Dieu qui est fort? Oui, comment c'est Dieu qui est fort? Comment il est fort? Parce que dans les révélations, il est à peu. Abraham, c'est vous qui avez fait les versets bibliques là? Oui. C'est innovation, hein? Amen. On attend le Seigneur. L'innovation, ah. Moi, j'ai les mains sur moi, j'ai tout. Attends, moi, mon esprit est trop ouvert. Là où on est assis, puis on veut manger le poupée d'un seul sauce gombo. Je ne sais pas qui peut venir à Rafa tout à l'heure. On a attrapé le plus grand élément du diable. Tu as peur, il ne faut pas avoir peur, d'accord? Lève ta main. Dis Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je décide de t'accepter. De t'accepter. Comme mon sauveur. Comme mon sauveur. Et Seigneur. Dieu Seigneur. Et Seigneur. Et Seigneur. Personnel. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Et fais de moi. La personne que tu désires que je sois. Merci de m'avoir pardonné. De m'avoir pardonné tous mes péchés. Amen. Maintenant, Dieu a tout pardonné. Amen. D'accord? L'esprit là t'a donné.
tête où l'esprit est dedans. Oui, vous savez, Michel. Vous savez. Il fait un ministère. Comment vous êtes? Va chercher la voiture. Va chercher la voiture. Là, on laisse le signe. Je vais. Hein? Lui, il va chercher ou. Hein? Il va chercher lui. Ou... Laissez le pasteur Anani partir avec toi. Laissez le pasteur Anani. Donc la statuette est dans la voiture. La statuette est dans la voiture. Vous allez. Ok. Tu dis quoi, c'est avec quoi? C'est avec ça, tu tues les gens. C'est en coucou. Hein? Ça se transforme en coucou. En coucou? Oui. Ça te transforme en coucou? Oui. Comment ça se transforme en coucou? C'est l'esprit qui transforme ça en coucou. En coucou? Oui. Vous êtes. C'est pas le chapelet de l'église, excusez-moi, je ne dis pas le nom. C'est ça, toi, tu as pris pour faire coucou. C'est l'esprit qui a fait ça. C'est l'esprit qui t'a donné ça. Maintenant, où est la représentation? C'est elle qui est là? C'est ça? C'est ça qui est là. Donc, c'est la dame là. C'est comme ça, elle se représente dans la statue. Oui. Et c'est à partir de la statue que l'esprit est avec toi. Oui. C'est ça? Oui. Ça, c'est la représentation de ton esprit. Il a transformé ça. Hein? Il a transformé ça. Il a transformé ça et l'on se comprend dedans. Oui. Quand j'étais à la maison, l'esprit me disait dans le métro, si tu vois un train qui arrive, tu pars parce que tu commences à devenir fort. Que un jour tu vas parler. Ah, ça dit l'esprit te dit quoi? Va voir un métro. Oui. Va voir dans le métro. Non, va chez le métro ou les trains. Tu peux garder cette secret. Ah, l'esprit dit qu'il faut te suicider pour garder ce secret. Oui, même quand j'étais au Sénégal, il m'a commencé à attaquer parce que je commençais à devenir faible pour commencer ça les secrets. Parce que je voulais dire ça à mon grand frère. Ah, tu voulais léguer ton secret à ton grand frère. Tu voulais dire ça à ton grand frère. À mon grand frère. Il m'a commencé à ça t'est fatigué? Il m'a commencé à m'attaquer, oui, ça m'a fatigué. Okay. Parce qu'il y avait une vision qui je voyais même pour que je ne pars pas, pour que la nuit, 3h, 1h et minuit et 3h, je ne partais pas, je restais éveillé pour que je ne dorme pas. Parce que quand tu dors, c'est là-bas que. C'est là-bas qu'il vient t'appeler. Il te dit, lève-toi, mon esclave, lève-toi. Hein? Mon esclave. Ah, il était esclave. Oui. Et tu as lu depuis là. Tu ne dis même pas, je viens d'être esclave, lève-toi, tu te lèves, tu t'en vas. Tu es fatigué. Oui. L'esprit qui entend n'est pas bon. Pourquoi il a attaché son bail? Thank you.
esprit bizarre. J'étais derrière ma tête, je sentais des choses bizarres. Ok, donc tu vas laisser. Tu vas maintenant m'abandonner. Le jour que je suis rentré ici, le dimanche. Ah, mais parce qu'ils t'ont donné 72 pouvoirs. Le jour que je suis rentré. Oui, mais ils t'ont donné 72 pouvoirs. Oui. Oui, c'est ça, ils t'ont gardé encore. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ça? Oui. Alors dis au diable que tu quittes son camp. Dis-lui ça. Le diable, je quitte ton camp. Il s'appelle diable. Je quitte ton camp. Vraiment, je les mange, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus d'espoir. Je veux grandir, je veux connaître c'est quoi l'amour. Vas-y, dis-lui. Diable, je veux connaître c'est quoi l'amour, c'est quoi la vie. Ah, tu veux connaître l'amour, tu veux connaître la vie. Tu ne vis pas. Hey! Aïe, comme! Hey! Comme! 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 Hey! Comme! Comme! Aïe, aïe! 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 Quitte sa vie. Hey! Comment? Comme! Comme! Aïe! J'ai détruit ton pouvoir. J'ai détruit ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je détruis ton pouvoir. Comme hey! La puissance de Dieu. Je neutralise ton pouvoir. À partir d'aujourd'hui, plus de contact avec lui. Plus de contact avec lui. Puissant des ténèbres. La sirène des eaux. Je brise ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Plus de contact avec lui. Plus de contact avec lui. Quitte sa vie. L'esprit du dragon. Tous les 72 pouvoirs que vous avez mis en lui. Aujourd'hui, j'ai détruit ce pouvoir. Viens, il va quand même faire quelque chose. Tout à fait. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. Jésus te délivre. Jésus te libère. Reçois ta délivrance. Que Dieu transforme ton cœur. Que Dieu libère ton cœur. Voilà. Hey! Dieu change ton cœur. Dieu te donne le cœur d'un être humain. Il enlève ce cœur diabolique. Oui. Jésus. Allez, quitte! Ce cœur satanique, quitte! Allez! Allez! Dieu t'enlève ce cœur démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ce cœur démoniaque. Sors. Au nom de Jésus. Tous les pouvoirs dans ton corps sont chassés. Au nom de Jésus. Sont neutralisés par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je te libère maintenant. Je te libère maintenant. Reçois un nouveau cœur venant de Dieu. Plein d'amour. Plein de compassion. Jésus te communique la vie. Reçois la vie. Sois comme les hommes de ton âge. Redeviens comme un être humain. Ce démon qui te possédait, qui terrorisait sa vie. Oui, lâche-le. Allez, lâche-le. 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 Allez, 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 allez. Plus de la chair humaine. Hey! Au nom de Jésus, comme! Comment tu peux dire chair humaine et vous? Hey, feu! Le feu! Hey! Hey! La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Le miracle de Jésus. 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 Comme! Feu! Sors! Libère-le! Au nom de Jésus, l'esprit de dragon, tu quittes sa vie maintenant. 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 Il est libéré, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Naïve, go, go. Naïve, go, go. Naïve,
Elle a fui en même temps. Ok. Vous ne savez pas qu'il était dedans. Dieu a dévoilé, d'accord? Pour relever une famille comme c'était avant, d'accord? Jean vient d'être délivré. Je vous confie, Jean. Comme Jésus a dit, mère, je te confesse, ton fils, comprenez? Vous devez l'aider dans sa chrétienté. D'accord? Il faut être sincère aussi. Il faut plus aller là-bas. D'accord? Ok. Il faut maintenir ta position dans le Seigneur. Parce que tu reviens de très loin. Tu sais très bien. Et si tu retournes? Hein? Tu es ce petit. C'est-à-dire qu'ils vont t'attacher comme ça, ils vont te manger frais. Ils vont enlever chair là pour manger tout ce qui est sur toi. Ils vont te déchiqueter pour te manger. Parce qu'ils ont perdu un élément. Maintenant, tu deviens l'élément de Dieu. Amen. Hein? Amen. Personne, c'est ta famille maintenant. Personne ne va te regarder d'une manière bizarre. Personne. Personne ne va te rejeter. Puisque Dieu ne te rejette pas. Tu comprends? Tu as compris? Maintenant, nous allons prier. Nous te prions pour cette famille que tu délivres. Nous te prions pour ta main puissante, la main de Jésus. Merci. Nous te prions de libérer cette famille. Nous te prions. Nous voulons condamner tout esprit des ténèbres. Tout ce que le diable a sémé dans la vie de ce jeune homme, je détruis et je prophétise la sémence de Dieu. Je communique la vie de Dieu. Dans le nom de Jésus, recevez la grâce de Dieu, recevez la main de Dieu, recevez la puissance de Dieu. Désormais, vous recevez la bénédiction de Dieu. Sous la haute protection du Seigneur, vous êtes désormais. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Alléluia. Amen.
Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dis amen. Amen. Ne regardez pas le voisin, s'il vous plaît, celui qui s'assoit. Ne regardez pas. Le voisin, hein. Le voisin a trop parlé. Le voisin, il est délivré. Amen. Amen. Voilà. Mon fils, il ne faut pas trop aller derrière. Il dit, quel voisin ça? Quel voisin, il dit, la tuer 320. Ça, sinon, on ne voyait pas. Maintenant, on voit ça. Il est délivré, donc, on ne colle plus l'étiquette de sorcier. C'est fini, ça. Amen. C'est fini. C'est fini. Amen. C'est fini. Ça, c'est du passé. D'accord? C'est du passé. Ok? C'est du passé. La dernière fois, on a fait sa délivrance. Et il devait parler à sa soeur. Donc, je lui dis, il vient vers moi. Je le regarde droit dans les yeux. Je lui dis, tu sais qui tu es. Je n'ose pas le dire. Mais tu es de la sorcellerie. En parle à ta soeur. Va. Il paraît qu'ils ont commencé à parler depuis. Jusqu'à 6h du matin, sa soeur n'a pas pu dormir pendant 2 jours. C'est-à-dire la nuit du dimanche, jusqu'à lundi, pendant 2 jours. Ok? Mais c'était un combat. Parce que je sais comment sa confrérie m'a attaqué. Il y a des petits détails qu'on n'explique pas. Parce que ce n'est pas pour vous. Si je vous dis comment je suis attaqué, c'est comme ça, frère. Allez délivrer un élément de ce genre. Ça veut dire que le prophète, ouais, je prends le micro ici, ça veut dire qu'il a bravé beaucoup les difficultés. Parce que je savais ce qui s'est passé. Sa soeur, il veut me rencontrer, il dit, je ne veux pas dimanche. Alors, il lui est déjà chargé. Donc, je lui ai préparé. Les gens sont venus à mon hôtel. C'est pas ça, mais je l'ai hier. Mais je l'ai. Quand je suis déjà venu à mon hôtel, il a dit quoi après? Où t'as salué, il a dit quoi? Il a dit que il y a des choses pour aller prier. J'ai dit, il m'a prié. On veut faire le réunion, il est mort. Parce qu'il faut qu'il maîtrise la situation. Nous, on est arrivé à 11h, tu es monté, tu es descendu jusqu'à 13h. Je lui ai dit, maintenant, il maîtrise la situation. Allons-y, on peut faire réunion. Allons-y. C'était cette situation. Si je ne la maîtrisais pas dans la prière, il était venu spécialement. Mais lui, ce ne venait pas de lui, hein. Ça venait de l'esprit qui est en lui, parce que j'étais très énervé. Vous voyez, un enfant qui disparaît, il n'est plus, il n'était plus un être humain. C'était un esprit qui est en lui. Ok? Alors, pour déloger cet esprit, c'était des combats et des combats. Amen. Amen. Et Dieu merci que Jésus-Christ est délivré. Amen. 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 On dit amen. Amen. Dieu ne rejette personne. Quelle que soit ta sorcellerie, tu as besoin de toi. Dieu n'a pas besoin. Tu es sorcier, Dieu peut te délivrer si tu veux. C'est une question de volonté. Alors, il faut aider les gens pour faire animer d'une compassion. Je veux prêcher. Alors, il voulait qu'on puisse se rencontrer. Du coup, je vois le monsieur en train d'attaquer. Ok. Tu as commencé. On va terminer le combat. Comment c'est toi qui as commencé? Tu as bien payé. On va aller sur le terrain maintenant. On va mettre pas gagner son camarade. Et Jésus a terrassé le diable. Amen. Comme toujours. Amen. Amen. Dieu bénisse vous. Amen. Mais que Dieu bénisse cette famille. Amen. Que Dieu vous accorde la paix. Amen. Chacun d'entre vous, quand vous glissez ici, allez payer vos bouteilles, puis versez dans vos mains. Amen. Dis amen. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons parler de l'autorité. Je vous ai expliqué tout à l'heure l'autorité spirituelle, d'accord? C'est quelqu'un qui reçoit un pouvoir pour commander. Pour imposer une discipline. Amen. Amen. Alors, l'autorité spirituelle, c'est quelqu'un qui est choisi par Dieu, n'est-ce pas? Pour exercer une fonction. Allez, ce monsieur qui est couché la Dominique, homme de Dieu Dominique, prenez-le, amenez avec le pasteur Nani, va exercer son ministère de délivrance, derrière là-bas, pendant que je suis avec la servante de Dieu, en train de faire la parole de Dieu, les gars où tout ça allait exercer, allez chasser les filles à la sorcellerie, c'est ça le ministère. Allez, mettez-le derrière là-bas. C'est pas bon. Va là-bas. Va le chasser, il dit c'est bon. Il a seulement fait des coups. Tu l'as mis là, il dort. Amen. Il a dit là, oui, après les chasseurs, il va le chasser. Merci des matchs. Amen. Donc, c'est quelqu'un qui reçoit un pouvoir de Dieu, une représentation de Dieu sur la terre. Il représente Dieu. Ok? Amen. Amen. Parce que si tu as fait un diplomate, tu as fait un ambassadeur dans un pays, et que tu peux créer un incident diplomatique,
C'est comme ça, quand tu as fait un homme de Dieu, tu peux aussi avoir problème avec son patron. Amen. Alors, nous allons ce que Dieu dit. Regardez, comme on ne voit pas Dieu, Dieu dit dans sa parole, dans Romains, le chapitre 13, le verset 1 à 3. On y va. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Il dit que toute personne, sans distinction, tout le monde doit être soumis aux autorités. Une soumission. Quand on parle de soumission, c'est le respect. Il faut respecter les autorités. Soumission. Allons-y. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Car l'autorité que vous voyez là, s'il a été établi, il vient de Dieu. Alors moi, si vous ne vous soumettez pas, vous ne respectez pas l'autorité que vous voyez, vous ne respectez pas aussi Dieu. Car il n'y a aucune autorité, il ne vient de Dieu. Allons-y. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ce qui existe, quand tu vois, c'est Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. C'est vrai que celui qui s'oppose, celui qui se rébelle, celui qui attaque l'autorité, il s'oppose directement à Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Celui qui le fait attirera une malédiction sur lui-même. Dis amen. Amen. Donc, il y a des conséquences très graves. Parce que sur terre ici, vous avez fait une autorité physique, un ambassadeur et tout ça. Quand vous avez affaire à lui, vous créez un incident diplomatique. Amen. 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 Alléluia, m'a bien saisi. Amen. Vous savez, une autorité ne vient pas. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Je suis homme de Dieu, ok? Établi dans cette église. Je suis le prophète. Je suis le père spirituel. Je suis comme le pasteur de cette église, ok? Moi, je peux léguer mon pouvoir. Je peux donner mon pouvoir à un diacre. Je peux donner mon pouvoir à un ancien de l'église. Je peux léguer mon pouvoir à une ancienne. Tout ça. Ça veut dire que si vous n'obéissez pas à peut-être au diable, vous désobéissez à l'autorité spirituelle. Si vous n'obéissez pas à l'ancien, vous dites non, je n'obéis qu'au père spirituel seulement, c'est faux. Il est diable sous la couverture, sous l'autorisation du prophète. Et donc lui doit un respect. Parce qu'il devient une autorité, il est une autorité spirituelle. Donc il est sacré. Dans le spirituel, on a fait au sacré. Or, dans le monde là-bas, quand vous touchez à vos voies sacrées dans la forêt, quand vous cachez une brasse, l'esprit vous tue. Ils ont pris ça de Dieu. Donc tout ce qui est sacré, quand vous avez affaire à ça, il y a problème toujours. Amen. Alors, si le diable exerce son ministère de diable, il a une autorité en tant d'exercer un exercice spirituel. Vous lui devez une soumission. N'est-ce pas? Le pasteur exerce son autorité, vous lui devez une soumission, obéissance, un respect. L'ancien de l'église, ainsi de suite, les pasteurs, les prophètes, vous le devez. Le jour où vous vous rébellez contre lui, vous attirez une malédiction sur vous-même. D'accord? Ok, amen. Regardez ce qui s'est passé dans l'histoire de la parole de Dieu. Nous allons dans Nombre, le chapitre 12. Peut-être que vous ne savez pas les choses. Je vais vous dire les choses que vous comprenez, qu'on ne joue pas avec le sacré. Amen. Amen. On ne joue pas avec ce qui est sacré. Déplace-toi ta caméra, s'il te plaît. Je n'aime pas trop que tu sois loin. Deutéronome. Non, plutôt. Nombre 12. Allons-y à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Nombre, chapitre 12, à partir du verset 1. Hein? Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Je vous explique un peu au fur et à mesure que j'ai commenté. Moïse était, n'est-ce pas, le premier guide du peuple d'Israël. Comme prophète Moïse, n'est-ce pas, et Dieu passe par lui pour établir une loi. Autour de lui, il y avait ses parents, il y avait Marie, il y avait Aaron, n'est-ce pas? Marie était la grande sœur, ok? Aaron était le grand frère. Moïse met une loi, et là, il ne faut pas comprendre une femme étrangère, ok? Donc quand la loi est venue, les premières personnes à attaquer, n'est-ce pas, Moïse, fut Marie, ses propres parents. Ils ont commencé à attaquer Moïse. Ils ont commencé à murmurer.
C'est-à-dire parler contre lui. Parler mal contre l'homme de Dieu. On y va. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Oh, est-ce que c'est Moïse qui est homme de Dieu? Moi, je suis une femme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Non, on n'est pas homme de Dieu. Qui veut, mais qui le mérite. Et c'est un choix. Amen. C'est parce que tu marches avec un homme de Dieu que tu deviens homme de Dieu. Non, non, non. C'est pas parce que le pasteur t'a nommé diacre que tu prends le pouvoir du pasteur. Non. C'est pas parce que le pasteur t'a nommé ancien de l'église que tu vas prendre l'autorité, tu vas bafouer l'autorité de l'homme de Dieu. Non. On n'est pas pareil. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est appelé, il est homme de Dieu, appelé par Dieu. Donc, ce n'est pas à toi de bafouiller son autorité. Est-ce que ce n'est pas Moïse seul? Parce qu'il parle avec toi, parce qu'il joue avec toi, parce qu'il mange avec toi. Mais il est un homme consacré. Il n'est même pas la même chose que toi. Elle a commencé à m'ignorer, parler contre lui. Comme vous ne connaissez pas ce qu'on appelle sacré, je vous explique un peu. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? N'est-ce pas par nous qu'il parle? Regardez comment il commence à parler, comment ça se révéler. Moi, je suis un homme de Dieu. On est hors. Vous savez ce qu'on appelle être homme de Dieu? Vous savez ce qu'on appelle être femme de Dieu? Allons-y. Et l'Éternel l'entendit. Écoutez, quand vous attaquez un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, la première personne dans laquelle la chose rentre, c'est dans l'oreille de son patron. Dis amen. Amen. Pendant qu'ils étaient en train de murmurer contre Moïse, c'est rentré dans l'oreille de son patron, qui est Dieu. On y va. Alors Moïse était un homme fort, vous patient. Savez, on dit qu'il était fort et patient. Ça veut dire que Moïse était au courant, hein, il savait. Mais comme il était doux, il était patient, il laissait. Oh, Dieu ne laisse pas faire de ça. Dis amen. Il y a des gens souvent, et leur ministère, c'est de parler. Ils sont là, c'est leur travail de pouvoir murmurer. C'est leur travail de pouvoir mal parler. Si les hommes de Dieu, c'est leur travail. Quand ils sont là, c'est eux, leur travail. Vous allez voir ce qui va arriver. Leur ministère, c'est de parler. C'est de parler. Eux toujours sont là. C'est eux qui trouvent quelque chose à dire. Il y a des choses qui sont sacrées. Vous savez, un homme de Dieu ne se lève pas un matin pour dire qu'il est devenu serviteur de Dieu. Non. Il a un témoignage de son ministère. Amen. Il a un témoignage de son ministère. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle, il teste ton travail. Amen. De telle sorte que l'humanité reconnaît en toi une autorité spirituelle. Il reconnaît en toi la main de Dieu. J'étais allé à Zaroko pour une mission. Dans mes débuts, je suis allé. La semaine qui a suivi, il y avait un problème d'eau. Alors, il y avait un sorcier dans le village qui tenait les clés de l'eau du village. Ok. Donc, il fallait le peindre. Il m'a donné le plein droit de rentrer chez qui je veux. Et puis il lui dit ce qu'il pense. Il dit, ah moi j'aime bien ça. Donc on a signé le protocole d'accord, ok? Je marche sur le chef du village, je parle avec lui rapidement, je règle les choses rapidement, je partais chez le monsieur qui avait les clés du village, de l'eau. C'est-à-dire c'est spirituel ce que j'ai dit, ok? Et du coup, boum, je tombais. Je vais montrer la vidéo, je vais chercher la vidéo, je vais montrer cette vidéo. Peut-être que j'aurai l'occasion de faire un direct, parler de ça. Moi-même, je suis coulé comme ça. Et j'ai senti moi-même que mon cœur, j'ai parti. Ça dit, je suis parti. Ok. Quelques minutes après, je suis revenu à moi-même. Ok. Et puis, d'un coup, paf, je me suis effondré. Et tout le monde regardait. Ça dit, peut-être que les gens ont vu. Peut-être qu'ils ont vu sur la vidéo. Peut-être. Mais j'ai cherché la vidéo, je vais montrer la vidéo. Du coup, les gens disent, bon, lui là, c'est pas un appelé de Dieu. Parce qu'il ne peut pas réussir le travail là. Parce que chez nous ici, là, on vient de l'eau. Ils ont créé un premier château d'eau. Par le fer. Quand c'est rentré en terre, ça s'est fondu sous la terre. Ils ont créé un autre château d'eau. Ils ont brûlé ça, ils ont gâté. C'est toi qui as venu. Toi, t'es qui? Toi, tu es qui? Toi, t'es un enfant, t'es qui? Oh, laissons-lui là. C'est qu'il est venu chercher dans notre village. Parce que chez nous ici, là, on mange. Hein? On mange les gens, tout ça. Donc lui, on a trouvé sauce. Ok. Et du coup, je vois un ange dans ma vision. J'ai vu un ange descendre comme ça. Et puis j'ai vu une nuée qui est descendue vers ma tête.
j'étais convaincu que je n'avais plus la vie en moi. Ce que moi j'ai vécu là, il n'y a pas un pasteur qui peut vivre ça, qui peut vivre. C'est mon histoire de mon ministère et mon alliance avec Dieu. Je reçois ce don, on me réanime. Je suis réanimé et puis du coup je me suis levé. J'avais une force extraordinaire qui m'animait. Et je fonçais directement vers le monsieur. Je courais, je suis allé vers lui. J'ai dit, donne-moi les clés du village. Il s'est mis en genoux. Je te donne les clés. Ok? C'est la semaine qui a suivi que le village là, a eu le champ. Il y a eu de l'eau potable. Encore, ça veut dire qu'un doutait de mon ministère. Dieu venait de cautionner mon ministère devant tout le monde. Ok? D'accord. Je rentre dans ce village dans un premier temps, au début de mon ministère. Les gens sont partis voir le préfet de la ville. Pour lui dire, le prophète est dans cette ville, ça crée, dans le village, ça crée trop de choses. Donc le prophète fait une lettre. Vous comprenez, vous connaissez le préfet de région? Il fait une lettre, il m'interdit, c'est-à-dire il me donne l'ordre de quitter dans les heures qui suivent le village. Demandez, c'est lui j'en ai dit, à vérifier l'information. Il donne les ordres. Il faut que je me suis la quitte. Parce qu'on a l'impression que les gens ne s'entendent plus. Vous voyez comment les gens interprètent mal les choses. Oui. Parce que j'étais. Le fait donne l'ordre pour dire qu'il faut qu'ils partent. Mais moi, ça m'arrangeait. Hein? Parce que c'est pas mon village. Ça, c'est un. Le deux, c'est dans le village. Je suis à Abidjan. Il est dans le village. Moi, il m'en veut. Je suis parti. La semaine qui a suivi. Ils ont tué 10 personnes. Pas. Ce que je vous dis, c'est parce que je ne suis pas en train d'inventer ça. Je vous dis les choses qui sont claires et vérifiez l'information. Pas. 10 personnes dans la semaine. Toute la région du Vata vont marcher sur les fêtes cité devant au Haïri, devant la maison du sous-préfet. Pour dire, si le prophète ne revient pas, vous êtes moi et moi ici. Amen. Amen. Dieu est en train de prouver. Moi, je suis à l'aise. On m'a appelé, mais comment m'appeler? Je voyais faire mon portable. Je n'ai plus bâti. Vous voyez? Je n'ai pas bâti parce que, attends, je vais dire, mais Dieu merci. J'allais faire qu'on vienne là-bas. Je veux qu'on vienne. J'allais faire qu'on vienne là-bas. Et Dieu me parle pour dire, je t'avais déjà dit que j'allais travailler là-bas. Donc, je pleure parce qu'il me ramène dans la galère. Oui, je joue deux plateaux au ballon. Je vis bien dans ma maison. Je vis très bien. J'ai tout comme mon nourriture, j'ai vivé très bien. Il me ramène, il dit, tu dois partir. Donc j'ouvre le portail, je vois les messages. On dit, j'ai dit, et le préfet. Donc il dit, mais le préfet a dit, le préfet m'a dit, vous venez. Le préfet me demande pardon, vous venez. Le préfet m'a dit de venir. Il dit, mais moi, je fais un malin. Donc jusqu'à ce que les autorités même m'appellent pour dire, c'est grave. L'heure est tellement grave parce qu'il faut que tu viennes. Donc on m'a expliqué, ah donc vous êtes d'accord. Donc ça veut dire quoi? Dieu lui-même, le monsieur qu'on appelle l'autorité physique, qui m'attaquait, Dieu lui montre que c'est important, lui n'est rien. C'est important que moi je rentre. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le village. Le même jour où je suis rentré dans le village, la mort s'est arrêtée. Ok. Ça, c'est pas notre signe. Mais encore, le même préfet. Dans les semaines qui ont suivi, m'a invité chez lui pour savoir qu'est-ce qu'il y a en particulier à moi. Et c'est le même préfet qui a signé mon agrément de l'ONG. Il m'a même adopté. Je suis allé même faire délivrance dans sa maison. On est devenus amis en 2015-16. Quand il vient sur Paris, tu as-tu parlé de lui? Et on se voyait. Vous voyez, frère, quand tu es une autorité, ça dit. Quand tu es une autorité spirituelle, ça ne vient pas des hommes. Vous comprenez? Ça ne vient pas des hommes. C'est Dieu qui te choisit. Donc Dieu dit à Aaron et Marie que Moïse que vous voyez là, c'est moi qui l'ai choisi. Quand Dieu choisit une personne, Dieu cautionne son autorité. Dieu démontre A plus B que c'est moi qui l'ai appelé. Je suis dans un village qu'on appelle Gros. Dans ce village-là, il n'y a pas un pasteur qui va faire croisade et puis il est vivant après. Il y a un prêtre qui allait faire église. Quand il a fini, on dit, bénissons le Seigneur, notre Dieu boule. Devant l'église, il est bon. Parce qu'on est l'enterrer. Vous savez ce qu'il dit après les sorcelleries? Ce n'est pas un musulman.
C'est pas de l'amusement. Les gens pensent que c'est de l'amusement. Ah, le prophète, c'est pas de l'amusement. Ce qu'il a fait là, ceux qui parlent, ils n'ont qu'à aller faire ça un peu. Amen. Sorcellerie là, quand ils chantent sorcier, tu es mauvais, ils te tuent. C'est moi qui t'as composé, hein. Puis il a entendu sorcier, tu es mauvais, ils te tuent. Sorcier, il faut qu'on attaque les sorciers. Eux-mêmes viennent, même, ils sont en association pour dire, ah, toi tu as fait un disque, puis tu as mis sorcier dedans. Il faut qu'on te mange. On vous dit, quand on a appelé, ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Vous comprenez? L'autorité, là, ça vient de Dieu. Le mandat, là, vient de Dieu. Personne ne l'a choisi. Il y a des événements que moi, je vis. Et je me dis, Seigneur, c'est quel travail, ça? Un travail où? T'es tout jeté. On te lit avec un œil gros comme ça. C'est quel œil? Qu'est-ce que le front de quelqu'un, c'est Gaillard, on est tête. Seigneur, c'est quoi ça? Seigneur, c'est quoi ça? Pour vous dire, ce n'est pas parce qu'un prophète rassure de être prophète. J'étais d'abord à Abidjan. Et Dieu m'a envoyé dans les villages. Je suis l'homme de Dieu qui a fait plus de villages que beaucoup d'hommes de Dieu. Et il y a beaucoup de sorciers qui sont morts sous mes yeux. Qui m'ont défié, qui sont morts sous mes yeux. Prouver que ce qui en moi est plus fort que ce qui en eux. Pour vous le dire, et regardez ce que Dieu va dire à Aaron et à Marie. Allons-y. Je réponds. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Très bien. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Pendant qu'il vous l'attaque, Dieu dit qu'il est fidèle. Allons-y. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Pourquoi vous n'avez contre pas craint? Contre Moïse. Les gens n'ont pas craint de parler contre un homme de Dieu. C'est très dangereux. Vous allez vous expliquer le côté dangereux de ça. Allons-y. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus. Quand de la tente. Quand vous parlez d'un homme de Dieu, la nuée, ça veut dire privé de la gloire de Dieu. Et la voici. Et oui. Marie était frappée d'une lèpre blanche. Très bien. Comme la neige. Et Aaron se tourna vers Marie. Alors quand vous murmurez contre une autorité et que vous attaquez cette autorité, vous êtes frappé d'une lèpre. La lèpre, ça veut dire quoi? L'impurité. Or, à cette époque, quand quelqu'un allait, cette personne est privée de la gloire de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des gens qui le font, leur vie est plate. Ça dit que Dieu ne peut plus t'assister. Pourquoi? Parce que lui-même il dit, regardez ce que Dieu dit, hein. Regardez ce qu'il dit dans Romains. Regardez ce que Dieu même dit dans Romains. Nous prenons Romains, le chapitre 4. C'est le chapitre 14, le verset 4. On suit un peu. Il dit le chapitre 14, le verset 4. Romains chapitre 14, verset 4. Et ils se dirent l'un à l'autre. Non, Romains 14. Oui, Romains. Oh, Romains chapitre 14, le verset 4. On va finir, on ne va pas. Romains chapitre 14, verset 4. Qui es-tu, toi? Il dit, qui es-tu, toi? Qui juge un serviteur d'autrui? Ou tu juges le serviteur, toi, tu es qui? S'il se tient debout. Oui. Ou s'il tombe, oui. Cela regarde son maître. Cela regarde ton maître. Toi, t'es qui pour le juger? Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prenons Jacques. Jacques, le chapitre 4, le verset 11 à 12. Jacques, le chapitre 4, le verset 11 à 12. Nous allons rapidement. Jacques, le chapitre 4, le verset 11 à 12. Oui, je lis la parole de Dieu dans le livre de Jacques au chapitre 4, à partir du verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères.
Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Très bien. Allons-y. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en as un juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Amen. C'est pour dire que nous, en tant qu'être humain, on n'est pas maître. Si j'ai dit aujourd'hui, le frère Balou, tu es ancien de l'église, il est devenu une autorité spirituelle. Il a tout le mandat, il a une autorité. Si vous opposez à lui, vous opposez à Dieu. Ce n'est pas à vous de dire quoi que ce soit. Quand vous opposez une autorité spirituelle, ça rentre directement dans l'oreille. Et comme on n'a pas le temps, vous savez, il y a ce qu'on appelle la malédiction générationnelle. Je vais parler un peu ça brièvement. C'est ce qu'on appelle, vous savez, quand quelqu'un s'oppose à une autorité, elle reçoit ce qu'on appelle une malédiction. Et cette malédiction, elle peut être générationnelle. J'explique. Il y avait David. David est venu vivre dans la maison de Saül, n'est-ce pas? Pour apprendre la royauté. Dieu l'envoie dans cette maison. Alors le roi qu'on appelle Saül était déjà déchu. Mais il est convaincu que c'est le monsieur là, il devait prendre le trône. Encore, Jonathan, son fils, était le prince, encore convaincu, il fait une alliance avec David. Amen. Son âme est même. Il a fait une alliance avec David, il a commencé à soutenir David. Amen. Il a commencé. Or, Saül cherchait à le tuer. Saül cherchait à tuer David. Or, c'est un grand danger. À un moment donné, David a fui. David s'est retrouvé, n'est-ce pas, hors du palais. Et David... Il faut prendre la parole de Dieu. Prends 1 Samuel, le chapitre... Je crois 20. À partir du verset 1. 1 Samuel 26, le verset 8 à 11. Ça va? Ça peut aller? Ça va? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous sommes dans le sacré. Il faut comprendre que c'est important tout ce qui est sacré. On ne peut pas jouer ça. Le 1 Samuel, chapitre 26, verset 8 à 11. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 26, à partir du verset 8 à 11. Abishai dit à David. Ça dit Gaël, non? Abishai. Abishai, oui. C'est mon Sabigaël. Abishai dit à David, tu livres aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Voilà, donc pendant que David fuyait, Saül était à sa trousse. Saül cherchait à le tuer pour bannir la royauté sur la vie de David. Or, David était devenu un homme sacré. À pourquoi? Parce qu'il avait reçu l'onction. L'onction te fait sacré. D'accord? Et non, Saül était caché dans une grotte et David découvre avec Abiel ton armée, on découvre Saül. C'est Saül qui est là. Et on lui dit, l'Éternel livre entre mains ton ennemi. Écoutez. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance. Elle dit, laisse-moi le tuer. Et le clouer à terre. Je vais le tuer, le clouer à terre. D'un seul coup, parce qu'il est mauvais. Pour que je n'aie pas à y revenir. Très bien. Mais David dit à Abishai. David l'a répondu. Il dit quoi? Allons-y. Ne le détruis pas. Ne le détruis pas. Quand il poursuit, impunément porter la main sur loin. Il dit, c'est bien loin de l'Éternel. Dis amen. Amen. C'est pas à moi de le toucher. Aimer parler. Les gens, ont les bouches pour parler. Vous connaissez la peine de quelqu'un? Quelqu'un peut traverser son jasmanais, ça ne veut pas dire qu'il a un problème avec toi. Alors David dit, c'est pas à moi de toucher le oint de l'Éternel. Saül qui est là, même il est mon ennemi, il est mon ennemi, mais il a reçu l'onction. C'est pas moi. Il dit, loin de moi de toucher à un point. Pourquoi les gens n'ont pas peur? Ils n'ont pas peur de parler. Le sacré, si on vous enseigne ce qui est sacré, vous allez beaucoup vous méfier. Amen. Les gens ont des vies tordues parce qu'ils aiment beaucoup mal parler. C'est tout le problème. C'est eux qui savent juger. Est-ce que lui-là, c'est un forum de Dieu? Toi, tu sais qu'elle a l'alliance. Toi, tu sais juger ce qui est bon et vrai. Tu connais?
Tu sais ce qui est bon et ce qui est vrai. Toi, tu connais. C'est toi qui sais que lui est vrai, celui qui est faux. Au lieu de t'occuper de ta propre vie, c'est toi qui juges les gens. Vous prenez votre temps en train de parler. Au lieu de vous occuper de la sorcellerie, de vous occuper de votre sale vie que vous vivez, c'est la vie des hommes de Dieu qui vous intéresse. David dit, c'est pas à moi de toucher le oint de l'Éternel. Allons-y. Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. C'est lui. Allez, amen. C'est pas à moi. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Très bien. David avait déjà prononcé le jugement. David avait déjà prononcé le jugement. C'est de cette manière que Saül est mort. Pourquoi? Parce que Saül a cherché à le tuer. David a respecté l'onction. C'est vrai que mon ennemi, mais tu as reçu l'onction. À cause de ce sacré, je ne te touche pas. Le problème, c'est quoi? C'est que Saül est mort sur les champs de bataille. Mais encore, son fils dans la chair, Jonathan, va mourir. Il va bénéficier, c'est-à-dire malheureusement, il va être attaqué par cette malédiction générationnelle. Il est mort de ça, malheureusement. C'est pour ça qu'il fait très attention. Le sacré, on ne s'amuse pas à ça. Si David l'avait tué, David allait avoir un problème dans sa royauté. Amen. Si David avait affaire à lui, parce que David avait le discernement, il savait faire la part des choses. Il savait dissocier du sacré et du non-sacré. Et la vie dit, c'est vrai, maintenant je peux le tuer. Mais, il y a un mais, le fait qu'il a reçu l'onction royale, il a reçu l'onction, ce n'est pas à moi de faire ce que j'ai envie de faire de lui. Pour vous dire, on est dans une église. Quand on dit que quelqu'un exerce une autorité spirituelle, il faut faire très attention. Amen. Peu importe son âge, peu importe ce qu'il est, tu dois impérativement te soumettre à lui. Amen. Tu ne te soumets pas à lui qui attire une malédiction sur toi. Point et basta, ne discute pas. Ça ne se discute pas. Amen. Amen. Oh, si tu te lis contre lui, il y a des malédictions qui ne vient pas un coup, mais ça frappe doucement. Et c'est ça qui est plus dangereux. C'est ça qui est plus dangereux. C'est pour ça que ne vous mettez pas en conflit avec Dieu. Attaquer une autorité spirituelle, ça vous met en histoire avec Dieu. Amen. C'est vrai que Dieu l'avait rejeté. C'est vrai que ça y avait tous les problèmes. Mais comme il avait reçu l'onction, David dit, c'est pas à moi de toucher le oint de Dieu. Il est mort. Parce que lui cherchait à tuer un oint. Toi, tu es qui? Tu es qui pour te opposer? Tu es qui pour venir blâmer une autorité? Toi, tu es qui? C'est la question. Vous n'êtes pas camarade. Une autorité, pas parce que l'autorité spirituelle parle avec toi, c'est parce que l'autorité mange avec toi que vous allez. Mais vous n'êtes pas la même chose. Vous n'êtes pas la même chose. Vous ne savez pas que le prix et l'alliance qui existe entre l'autorité spirituelle et son patron qui est Dieu. Parce qu'il parle à toi ou parce que tu penses que vous êtes humain. Mais non, quand tu auras affaire à lui, tu auras affaire à son patron. Ne vous mettez pas dans des... N'amenez pas sur vos enfants des malédictions. Amen. Si vous en cherchez, que ça reste à votre niveau. Mais toucher au sacré vous attire une malédiction générationnelle. Amen. Il y a des choses, si vous faites, ça peut attirer. Nous sommes en train de structurer l'église. Alors si un responsable qui reçoit un mandat te dit, fais telle chose, il faut te soumettre. C'est ton devoir de te soumettre. Les lois de Dieu sont les lois militaires. C'est tout. Amen. Il faut le respecter. Peu importe son âge, il faut te soumettre. Dis amen. Amen. Amen.